reanimate your feet. Avec des couilles. L'année 2018. Yes. Le réalisateur Olivier Alfonso. Sans le S qui fait Alfonso, mais c'est moche. Il est Alfonso. exact. Bon, alors, les acteurs. Nous avons Arthur, ce grand comique français, reconnu et connu sur le monde entier. D'accord, mais tu me laisses un peu bosser, s'il te plaît. Pardon. Denis Lavant. Il va pas là. Yeah. Connu sur Les Misérables, je suis désolé. Un long dimanche de fiançailles, l'Empereur de Paris, on compte. Guillaume Canet, on s'en fout, on ne le présente pas. Morgan Azel. Section de recherche. Yes. Danny Verissimo. Ça sonne bien italien. Marquez. Si. Camille Raza. 15 sur 17 pour Paris, le petit discours. Louise Blacher. Soda. Anne-Solène Hatt. Et ne te trompe pas d'étage. Au sein de toi. Yes. Parce qu'il y a des bonnes, c'est... Tiffaine Davio. Je te pardonnerai pas si tu l'oublies. Section recherche. Girl of the Day. Oui, tout à fait. Margot Dufresne. Je sais pas quoi dire. Tais-toi, t'as tort. Margot Dufresne. Que le dernier, Polichinelle. J'adore ce nom. Je sais pas ce que c'est. C'est nul, ça se trouve, mais j'aime bien. Le dernier Polichinelle. Oh, bon, allez, hop, on se prend. Narrateur. Aurel San. Yes. Et nous avec une voix de merde. Oui, il chante trop. Oui, c'est volontaire. Oui. Bah, oui. Pauvre garçon. Ou alors il s'est passé un truc. Ah ben, t'as l'air que... Il se fait castrer. C'est peut-être pour ça. Ah, diablement. Caméo. Thomas Dutronc. Yes. En scout. Yes. Souris. Oui. On est d'accord. Allez, sérieux. Raconte-moi l'histoire. Bah, l'histoire, c'est que tu me connais la réponse depuis tout à l'heure, c'est pas dur de trouver les réponses. Ouais, bah, c'est mes petites fiches, t'es pas obligé de regarder, oh. Ah, bien, ça faisait partie du jeu, autant pour moi. L'histoire de A Girl's Three Balls, tout simplement, qu'est-ce que c'est déjà? C'est français. Et quand tu vois que le réalisateur, c'est Olivier Alfonso, c'est dur à croire. Petite popola. C'est un film qui nous conte l'histoire assez originale dans un sens, oui, d'une équipe de volleyeuses féminines qui ont gagné une bonne partie du tournoi et qui se retrouvent en demi ou finale, je ne sais plus, mais qui pour ça doivent aller à l'autre bout du monde parce que eux-mêmes sont dans un endroit complètement paumé. On va pouvoir avoir d'ailleurs des vues et des a priori de sublimes paysages, hein, très clairement. Clair. Désert. Qui, de par leur coupure, sont magnifiques. Tu passes d'un désert où tu vois rien, enfin d'un désert visuel, j'entends bien, pas réel, et tu arrives dans une forêt. Bah, il n'y a qu'en France qu'on trouve ça. Oh, on est d'accord. Oui. C'est, je ne sais pas, les autres pays, comment. Bon, il leur arrive des problèmes. Voilà. Ils arrivent face notamment à notre cher Lavant, qui, de naturel, a une tête pas très rassurante. Même quand il sourit, il te fait peur. Et pourtant, je suis sûr, il sourit pour faire plaisir. Bah, disons qu'Arthus est assez agacé parce qu'ils se sont perdus. Et agaçant. Et du coup, d'agaçant, il s'accroche avec Denis Lavant.
Voilà. Ce qui est assez étonnant, c'est que Denis Avant fait plus peur et Artus ne fait pas crédible. Et c'est plutôt bien quand on voit le gabarit naturel que c'est. Il est clairement plutôt imposant, même avant d'avoir perdu du poids, pris du poids. Donc du coup, on a des scènes assez bizarres hein, qu'on vous laissera découvrir, de l'érotisme débridé parce que ce n'est jamais sexualisé comme film. Ce n'est jamais érotique pour mettre du cul, mettre du sexe. C'est des femmes, mais ce ne sont pas des objets. Voilà, c'est de l'érotisme. Comique. Drôle. Clairement. Allez, je vous spoil rien du tout. Je vous dis juste, est-ce que vous avez déjà fait du pole dance sur un mètre d'ail? Eh ben, ce film l'a fait pour vous. Je vous jure, c'est pour le voir. Ou pas. Mais vraiment, enfin, faut voir le film, mais la scène est spéciale. En plus de ça, on a quand même l'avantage d'avoir un film déjà qui se suit bien tout le long. On ne se perd pas et on n'est pas ennuyé. En tout cas, ça n'a pas été le cas. Et ça mélange à partir d'un moment où le film va partir en couille, puisque après s'être arrêté pendant la nuit, voilà, nos filles et notre coach féminin, un petit peu attaqué par notre bande de dégénérés un peu énervés. C'est ça, enfin féminin étant un grand mot, il est surtout à fond pour ses filles et se prend limite pour une d'entre elles. Mais il est que masculin. Impliqué. Trop. Oui. Du coup, on se disperse entre deux groupes, Artus qu'on ne reverra que pour quelques scènes drôles, et les filles qui vont concentrer le cœur du récit. Ces filles qui vont d'ailleurs se disperser en différents petits groupes, avec du côté des gentils et des méchants dans les deux camps, qui vont d'ailleurs, parmi toutes les actrices, interpréter à merveille leurs rôles divers et variés. Alors, ce sont des caricatures, mais clairement, des caricatures voulues, travaillées, voulues, assumées. C'est ça. Parce que le film est assumé dans tout. C'est-à-dire qu'il va être assumé dans l'humour, il va être assumé dans l'horreur. Il va être assumé dans le scénario en lui-même. Il va être assumé dans le scénario et il va être assumé dans ce que je pense être un hommage. Oui, un hommage déjà de par les nombreux clins d'œil à divers films que vous verrez. Tout à fait. Que vous ne pourrez pas rater. Celui du Seigneur des Anneaux, vous ne pourrez pas rater. Et comme nous, vous allez avoir pire que ça. Vous allez avoir cet effet de clin d'œil. D'une part, les clins d'œil à des films, mais vous ne savez plus lequel. C'est ça. Ou alors, vous avez plus de culture générale, c'est possible, vous allez le savoir tout de suite. Et des faux clins d'œil, comme de la scène de fin, qu'on vous décrira juste après. Et celui-là, il est terrible. Et franchement, donc, les films vont aller en travers de scènes gore, mais autant numériques que des scènes faites à l'ancienne. Les effets sont très jolis. Ils sont très jolis, ils sont très courts. Et c'est ce côté court qui me rassure dans les faits, parce que des films avec des moyens assez moyens, le numérique, souvent, c'est ça qui fait tâche. Ouais. Heureusement, ils ont calculé pour faire des effets numériques rares, courts, mais très efficaces. C'est ça. Et des effets à l'ancienne qui, comme chaque effet ancien, ça, ce petit côté... Oh, il nous en faut. Le premier tir... est génial. Est génial. Et surtout, l'effet qu'il donne sur la fille est vraiment bien fait. Vraiment bien fait. C'est que ça, c'est que l'humour. Oui. Les personnages gagnent en valeur dans le film. Leurs personnages évoluent ou meurent vite. Aussi. Ça dépend. C'est comme dans tous les films. Hein, les scènes d'humour, c'est un mélange très gros, si vous voulez, des références françaises entre les Charlots et autre chose. Non, si vous voulez, c'est un mélange entre l'humour lourd, un peu à l'américaine plutôt. Il y a des choses plus subtiles. Et l'humour subtil, qui peut être typique de certains trucs français, comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui a par exemple des petites touches vachement subtiles. Bah, en fait, c'est ce qui fait la beauté du film, c'est qu'en fait, il fédère, en fait. C'est ça, il ne s'en sert pas dans un seul genre. Non, c'est ça. C'est pour ça que je pense que c'est un film hommage, parce qu'il élargit, en fait, ses horizons, tout en restant très crédible, pour moi, en tout cas. L'histoire se continue, elle n'est pas décousue. Le fait qu'il y ait l'humour permet notamment d'avoir, de ne pas être insatisfait par ce côté qui n'est pas plus de mort très gore. Ouais. Parce que ça se voit dès le début que le film n'est pas sérieux, malgré les acteurs qui jouent sérieusement, pour le coup. Bon, c'est-à-dire que quand Aurel San ouvre le film en disant, avec sa guitare, sur le toit. Magnifique. Camping-car, quand même. C'est quand même magnifique. Éteins ton portable, connard. Tu es au cinéma. C'est là qu'on regrette que ce film ne soit justement pas sorti au cinéma, car c'est clairement la preuve que ça devait être son objectif. C'est ça. Et le fait que ce soit un film Netflix nous prive, malheureusement, très certainement, de l'avoir un jour en DVD. Voilà aussi ce qui est dégueulasse, surtout quand vous voyez la jaquette de début qu'on a mis, qui est super belle. C'est ça. Donc,
clairement, en plus de ça, on va finir par la dernière scène. La dernière scène est bien construite. Et elle nous fait quelque chose que j'ai pas vu souvent. Cet effet de... Il y a plein de questions à se poser. J'ai pas les réponses à tout, clairement du moins. Et on s'en fiche. Mais on s'en fout. C'est parce ça. Qu'on s'en contente très bien. On ne se pose pas, en fait, de questions. C'est après, c'est en analysant qu'on se dit, bah tiens, c'est vrai. Pourquoi si, pourquoi ça? Et en fait, en regardant le film, on s'en fout. C'est pas le problème. Et d'ailleurs, on est emmené. C'est la scène d'avant-fin, parce que la vraie scène finale peut même nous donner l'idée d'un second film qui, au vu du premier, ne se fera pas, car le succès n'a pas été au rendez-vous. Malheureusement, je comprends pas pourquoi. Mais pour finir, cette scène, déjà, met en avant tous les personnages restants. C'est ça. Met en avant leur meilleur comme leur plus mauvais côté. Aussi. Met en avant un humour qui est devenu très subtil pour la fin et très lourd en même temps sur certaines scènes. Ils ont regroupé les deux, là. Là on joue vraiment, c'est l'équilibre. C'est ça. On va avoir... On passe de l'un à l'autre. Tout de suite, la grosse blague bien lourde et la subtilité derrière. Elle est tellement subtile qu'il m'a fallu deux visionnages pour arriver à comprendre cette subtilité. Et quand vous la comprenez, elle est juste, mais... Voilà. Et c'est du jour, donc, vous êtes dans une espèce de sous-sol avec plein de corps de tête. Ah, c'est une ambiance très particulière. Et là, je veux que vous me disiez, qui est-ce que vous avez reconnu? Si vous avez reconnu quelqu'un, dans le décor, des têtes, des hommages, des quoi que ce soit. Je donne un indice, c'est des masques. Et alors... Et ce qui est drôle, c'est qu'on n'a pas reconnu lui-même. On n'a pas reconnu lui-même. Et on ne vous dira pas qui on a reconnu, mais dans le décor, on a eu faux. Vous, regardez le film et dites-nous... dites-nous si vous en avez reconnu. Tout à fait. Ça serait très sympa. Ça serait une très et surtout, donnez-nous votre avis, parce qu'on serait intéressé de savoir ce que vous avez pensé de ce film. S'il a vraiment été détesté tout le monde, ou si, comme nous, vous trouvez que c'est non pas un oublié actuel, mais un oublié en devenir. C'est ça. Il était tué dans l'œuf. C'est un futur oublié. C'est un oublié né. C'est ça. Après, nous venons les oubliés de voilà. Le premier du nom. C'est sur la chaîne. Donc, moi, je vous dis à une prochaine. Allez, tchuss! Crevez tous.